Alors coucou tout le monde, je vous présente le Lego qu'on va monter ensemble. Donc ça vient de chez Action, je l'ai payé 2,99€. C'est la marque Lego et on peut en faire trois différents. Donc là vous avez le chien avec le frisbee. Là vous avez un espèce de genre de scorpion et là un serpent je pense. Donc nous on va se concentrer sur celui-là et je vais l'ouvrir en vidéo avec vous et le monter en vidéo avec vous. Donc désolé du coup pour le bruit. Et ça c'est la table de chez Action qui est trop bien. Bon, pas grave, on est défoncé craquer. Les Lego c'est une chose que j'adore. Et là j'ai envie de me relancer à faire des Lego. D'ailleurs j'en ai commandé sur Ali. Et dès que je les reçois, eh ben je vais les monter en vidéo avec vous. Donc là, la vidéo risque peut-être d'être un peu longue. On verra bien. Et on va monter lui. Alors, pour les deux autres, il faut télécharger les modes d'emploi. Donc, de toute façon, j'ai pas de quoi télécharger tout de suite les modes d'emploi. Donc, on y va. Donc, on va tout mettre sur le côté. Hop, hop, hop. Là, on va commencer. Voilà. Tac. Ça a l'air d'être un peu long, mais on verra bien. Franchement, c'était pas cher du tout. Alors, c'est ça? Non, c'est pas lui. J'ai une application d'ailleurs sur le téléphone où je fais du montage de Lego. Et que j'adore aussi. Donc là, hop. Là, il explique quoi? Qu'il faut retourner la pièce. Et alors, il faut mettre ça comme ça. C'est pas très bien expliqué, hein. Je vais vous montrer. Alors. Vous avez le montage là, on est au 3, voilà. Il n'y a pas trop d'explications. Il faut rajouter les deux bords. Ah, il y a du mal à faire la macro. Et rajouter les bords marron après par-dessus. Mais c'est pas très très bien expliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va y arriver. J'espère qu'entre-temps, monsieur va pas rentrer. Parce que vu qu'il est dans l'autre appartement en train de finir les travaux. Il ne saura pas que je suis en train de tourner une vidéo et on risquerait de l'entendre dans la vidéo. Donc voilà. Voilà. Après. Après, donc on remet dans ce sens-là. Et on met une plaque noire. Là. Et là, un petit truc noir. J'aurais dû peut-être allumer la lumière. Il n'est pas très tard. Deux trucs noirs comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça peut vous intéresser, je sais pas. Dites-le moi. De toute façon, comme je vous ai dit, j'en ai recommandé d'autres que je ferai en vidéo. Si les vidéos, ça marche. C'est bien, si ça marche pas, ben tant pis. Mais pour le plaisir, je les tournerai quand même. Voilà. Du coup, tac. Ça va. Tac. Parce que en ce moment, Diamond Painting, j'en fais un petit peu. Mais j'ai pas envie spécialement de tourner des vidéos. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, juste avant, j'ai sorti un haul Action, Z-Man et Gémeaux. Donc d'ailleurs, dans le haul Action, vous voyez ce Lego que j'ai acheté. Il faut vraiment que je reprenne par contre mon autre caméra parce que celle-là,
Franchement, je crois que je me suis fait avoir quand je l'ai acheté à Auchan dans les soldes. Franchement, je la trouve pas tip top. Mais là, bon, je n'avais pas le choix, j'ai mis ça sous la main. Là, ce soir, à cette heure-là, j'ai que ça. Et comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'ai fait beaucoup de trajets en voiture aujourd'hui. Et franchement, je suis claquée, donc j'avais pas envie d'aller chercher où était votre caméra, où il y a une carte SD pour mettre dedans. C'est compliqué, donc je prends la caméra que j'ai sous la main. Et donc, du coup, je suis quand même désolée, hein, de voir vous infliger que c'est pas très net, mais bon. Au moins, ça fera toujours un peu de contenu pour ma chaîne. Alors, donc du coup, ça, il faut que j'en monte deux pattes comme ça, d'accord. Donc on est reparti, on va remonter la deuxième comme ça. Donc ça, ça, ça. Puis l'avantage, c'est que chez Lego, c'est que en principe, il y a toujours des restes de Lego. Alors du coup, moi, quand j'ai des restes de Lego, ben, je les donne aux enfants pour les leurs, parce qu'ils en ont des comme ça. Donc je donne aux enfants et hop, ils complètent leur Lego à eux. Ce qui est plutôt sympa aussi. Et là, j'avais dans le déménagement, j'ai toute ma collection de Mario qui était pourtant dans une caisse plastique qui a été secouée en fait. Et du coup, bah, tout s'est redéfait. Donc il faut que je remette sur l'application les 4 kits que j'ai. Et puis que je. Alors attendez, là je crois que j'ai un petit soufflage. Non, attendez, celle-là ça va pas. Après c'est une histoire. Oui, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Donc oui, il faut que je retélécharge l'application, que je rentre les kits que j'ai achetés dedans pour pouvoir remonter tout comme il faut. Ça va être encore un sacré vince, mais de toute façon je compte les remonter et les mettre sur une étagère directement, donc comme ça il y aura plus d'accès. Enfin, si, ils sont quand même posés sur l'étagère, mais ils seront plutôt en exposition que pour jouer. En plus je suis un peu vénère, un peu dégoûtée parce qu'il y a toute une autre série qui est ressortie. Il y en a plein que j'ai pas dans la série, et en plus ils ont sorti toutes les mêmes Lego, mais avec Luigi. Donc je suis un petit peu. Ça me faisait un peu chier quand j'ai vu ça, mais bon, tant pis. Je verrai au fur et à mesure. Alors en ce moment, j'ai envie de faire. Donc là, pour mon anniversaire, je vais me commander parce que ça coûte un peu cher. Sur Tonton Ali, la. Comment? Non, j'ai par contre. J'espère pareil que vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression qu'il faut parler super fort. La coccinelle. La voiture, la coccinelle. Donc je vais me prendre celle-là. Pour mon anniversaire et pour Noël, je pense me prendre le van de Volkswagen. Parce que j'adore ça aussi. Donc voilà. Et pareil, si je pense. Ouais, je pense que je le ferai en vidéo. C'est moi, je trouve pas la pièce qui me manque. Il me faut un beige comme ça. Ben non. Je vois pas le beige qui me manque. Ah bah si, il est le côté sous la caméra, c'est pour ça que je l'ai pas. Voilà. Et il me faut. Ah non, je sais pas. Donc ça, c'est bon. Et ça, après, ils disent qu'il faut les attacher. Alors, celle-là. Comme ça. Et elles vont là. C'est les pattes arrière. Celle-là, comme ça. C'est les pattes arrière. Ah oui, mais j'ai pas regardé. Si j'étais dans le bon sens. Oui, si je suis dans le bon sens. Ça, c'est le truc. C'est aussi qu'il faut bien faire attention. Ah ben, mince, je suis hors. C'est que d'être dans le bon sens. Mince. Bah alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah bah mince, les pattes qui sont là, mal. Ah bah. Alors, les pattes, elles veulent pas tenir. Le chien veut pas tenir. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà bien avancé. Et maintenant, on tourne.
Donc là, ils nous disent qu'il faut construire. Alors, c'est pareil, désolé pour les bruits de voiture. En l'occurrence, de moto. Parce que c'est une moto qui vient de passer, désolé. Alors, ça va comment? Comme ça. Hop, l'autre à côté. Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est moi qui me suis trompée, c'est dans l'autre sens là. C'est pour ça en fait aussi que j'ai pris le petit kit parce que je me suis dit au moins je fais un essai sur la chaîne. Je fais un petit montage Lego et je vais voir si ça vous plaît ou pas. Comme ça je vois si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vais continuer. Si ça vous plaît pas, je verrai. Je verrai si ça vous plaît pas, tant pis. Je verrai à ce moment-là. Bon, après, il y a plaire avec une meilleure qualité, mais ça, oui, pour les prochaines vidéos, je vais faire attention de prendre l'autre caméra, parce que là, celle-là, c'est de la mouille. Ah, j'arrive pas à m'enclencher, quoi. Comment ça se fait? Bon. Ça, comme ça, après. On pose ça, comment? Comme ça. Ah oui, comme ça. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Il y a un sens. Après, des petits marrons. Puis les couleurs sont pas très ressemblantes, donc du coup, heureusement qu'il y a du marron, il n'y en a pas 50. Sinon, on serait vite perdu sinon. C'est sa tête qu'on est en train de monter. Oui. Là du coup avec le haul que j'ai fait, normalement je vais vous faire plein de petites vidéos. Mais du coup je prendrai ma caméra, hein, sérieusement. Donc du côté des boss, il faut mettre ces bouts là. Et de l'autre côté. De l'autre côté, il faut ça. Voilà. Et là, il dit de mettre un rond. Alors ça. Ah, j'avais dit ça, c'est pas toujours pratique à mettre, mais si. Une fois. C'est ça qu'il va mettre, oui. Tac. Par les oreilles du chien. Ouais, c'est bruyant vers chez moi. Ah bah mince. Je vais inverser les oreilles. Ouais. C'est bruyant vers chez moi parce qu'en plus il fait chaud donc tout est ouvert. La façon de parler, tout est ouvert. On entend le bruit. Voilà. Ça fait mieux. Donc après. C'est quoi ça? Oui. Je suis pas trop fort parce que la petite est partie au vélo. Alors, comment on met maintenant? On retourne sur le devant et on met les deux petits nœuds. Vous voyez ce que je vous disais? Là, j'ai un œil qui me reste. J'ai un œil en feu. Donc ça, les enfants, bah, ils sont contents de les prendre parce que, bah, hop, pour faire leur construction, bah, ils peuvent rajouter un petit œil. Des fois, vu qu'ils en ont plusieurs. Non, il faut mettre avant un bidule. Il est où le bidule? D'ailleurs, en Lego, j'ai un truc aussi que je vous présenterai dans une autre vidéo. Parce que là, en fait, il faudrait que je me déplace pour aller rattraper. Vu que vous êtes calé dans mon maillot, lol. C'est pas pratique du tout de me déplacer avec la caméra. J'ai fait comme je pouvais pour vous caler. Pas trop mal. Pas trop mal mon chien. Hop. Et alors, dernière partie.
il faut faire la langue, donc ça, ça, il faut ça, un carré rouge, un carré noir, un rond noir plutôt. Et ça, ça va. Ah oui, d'un coup là, il y avait un téton là en fait. Là, quand vous voyez par derrière, il y a un trou, c'était comme ça. Voilà, et en plus, du coup, ça bouge. Et alors, maintenant, il faut attraper un noir, un marron. Et on laisse le noir en sens là, on met ça dessus. Ça devient. Et ça là-dedans, et c'est sa petite queue. Voilà, et ça dans la bête. Alors, je sais pas comment ça se fixe. Est-ce qu'il y a un endroit pour fixer ou c'est juste en posant? Alors là, par contre, je sais pas du tout s'il y a un. Il n'y a pas l'air d'avoir de cran dessus. Ah, si. Voilà, si, bientôt. Donc voilà, je vous présente mon petit chien. Donc, en fait, ça a pris pas très longtemps. Voilà. Et je disais qu'il restait des pièces. Voilà, il me reste un petit carré rose, un œil, un petit rond noir et un petit triangle comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite création. Elle est trop belle. J'aime bien. Donc je sais pas après si je la garderai ou si je la donnerai au garçon. On verra bien. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.